Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les designs qu'on a préparés, comme on vous avait dit le week-end dernier. Je vous ai fait 5 designs, donc vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce si ça vous a plu, et la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos. Salut à tous, comme on avait dit le week-end dernier dans la vidéo sur le design du camping-car, on avait fait un concours justement de design. J'avais dit que je ferais quelques modèles, voilà, que je vous présenterai aujourd'hui. Chose faite, j'en ai fait 5. Ça peut éventuellement vous donner des idées. Je vous mettrai au fur et à mesure où j'explique un petit peu les modèles que j'ai fait, je vous mettrai une petite photo en bas des designs que j'ai fait, et puis on fera un vote à la fin en récoltant les dessins que vous avez préparés, voilà, pour faire un petit vote sur tous les designs, celui que vous préférez, pour qu'on puisse en préparer un à la fin pour faire le covering en fait du camping-car. Donc pourquoi cette vidéo? Pourquoi faire un concours en fait de design? Parce que on avait fait Gigi avec Gigi avec tout en covering aussi, parce que notre passion en fait c'est le graphisme. Pouvoir faire des designs sur les camping-cars en fait qu'on restaure, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire, d'une part par notre métier, parce que comme j'avais dit le week-end dernier, on était artisans et en fait on est un imprimeur sérigraphe et on fait aussi du covering sur véhicule, et donc le côté graphique, ça fait partie de notre métier, de notre passé. Donc voilà pourquoi ce concours et pourquoi faire des camping-cars un peu différents de ce qu'on peut voir généralement sur les routes. Ça fait partie de notre délire. Le premier design qu'on a fait est vraiment très graphique au niveau des couleurs. Voilà. Je les ai tous appelés Tracassou. Après, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Le Tracassou 1 est en bas. Il a un côté très graphique dans les couleurs. Voilà. Le Tracassou 2, on a un côté plus baroudeur, peut-être, avec son côté camouflage militaire. Le Tracassou 3, c'est un appel au voyage, avec les différents monuments des pays. Voilà. Tout en dessin. Le Tracassou 4, il est en fait par rapport à un des abonnés qui a laissé un commentaire en disant que Tracassou renaîtra de ses cendres. Je lui ai mis un phénix sur le côté, comme le phénix renaît de ses cendres. Et puis le Tracassou 5, c'est un petit peu un rappel à notre camping-car Gigi. On lui a donné un côté un design à l'américaine, voilà, sur les camping-cars. On voulait changer les couleurs et faire un design un peu différent. Il a un côté plus américain que les autres. À vos crayons, et puis ces 5 modèles peuvent vous inspirer, vous donner d'autres idées, c'est le bienvenu. Voilà, et on adaptera en fait vos dessins, on refera du graphisme certainement dessus par rapport à ce que vous avez fait, pour que nous puissions à la fin réaliser quelque chose en impression. Pour rappel, en fait, vous avez jusqu'au 21 avril, minuit, pour nous envoyer vos designs pour qu'on puisse les regrouper et puis
nous préparer quelque chose derrière pour faire le concours. Bon voilà, ben, je pense que j'ai tout dit. Ben, je vous dis à une prochaine vidéo où je parlerai du ponçage, de tracassou, de la mousse polyuréthane. Voilà, et là c'est quelque chose. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite cloche, si vous voulez avoir une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager pour faire grimper la petite chaîne.